Top 10, les bonbons les plus caloriques. Les 40 sacs. C'est grave bon, les 40 sacs. Mais comme je ne suis pas une dictatrice, je vous mets en garde quand même. Et oui, attention à votre santé. Chaque 40 sacs se mélange curieux de sucre et de réglisse. Compte 4 calories. Ça va, c'est rien. Sachant que je n'ai jamais vu personne les consommer un par un, une poignée monte rapidement à 25 calories. Aïe, aïe. Sachant que je n'ai jamais vu personne se contenter d'une poignée. Et là, c'est l'engrenage. Les calories augmentent malgré le bonheur de les manger. Hop hop hop, avant que la vidéo continue, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, bonne vidéo. Les Skittles. Ils sont tout mimi, tout petits et colorés. Et en plus, ils ont une pub géniale où un mec traite une girafe en lui disant « Vas-y ma belle ». Donne-moi des bonbons Skittles. Vas-y ma belle, donne-moi des bonbons fruités Skittles. Ouais, mais attention, chaque Skittles, peu importe sa couleur, contient 4 calories. Et la couleur ne change pas les calories. Vu à la vitesse où on les gobe, ça pèse vite. Et les calories augmentent très vite. Les Dragibus. Alors là, c'est un scandale. Manquerait plus qu'on me dise que les pires sont les noirs. Ou les bleus. Les deux, je les adore. Et vous, quelle est votre couleur préférée dans les Dragibus? Heureusement, peu importe la couleur, l'apport calorique est le même. Pour chaque petite boule de sucre gobée, pour atteindre les 100 calories, il suffit de 25 bonbons. En gros, c'est 10 minutes d'un film, quoi. Les fraises Tagada. Adorables et colorées, mais il y a quand même deux versions des fraises Tagada. Il y a les vraies et les moins vraies. Mais c'était qu'une parenthèse. On les adore dans toutes les occasions. Avec 7 petites fraises et hop, 100 calories en plus sur le popotin. Et ça fait mal. Les Mentos. Oh les petits salis gros. On les prend pour des alliés minceurs et fraîcheurs, mais en fait, ils sont si fourbés caloriques. Compte 10 à 15 calories par Mentos. Et ça va très loin si tu manges tout le paquet. Mieux vaut les garder pour les expériences explosives avec du coca. Les Chamallows. Qu'ils sont doux et moelleux. Qu'ils sont bons, surtout grillés au coin du feu. Hop hop hop. Malheureuse. Gare à la cellulite ou à la graisse, comme vous préférez. Car chaque chamallow, bien qu'il ait l'apparence légèreté d'un nuage, compte 15 calories. Et si en plus tu optes pour les nounours en guimauve, alors là c'est terrible. C'est 20 calories par teddy bear. Donc les calories augmentent fort fort fort. Les crémas. Qu'importe la recette et le parfum, pourvu qu'on ait le plaisir de les déballer ceux-là. Tout plus délicieux les uns que les autres. Même si à la fin, il restera toujours des citrons. Un créma fait entre 25 et 35 calories. Eh ben mince alors, c'est si bon mais c'est si calorique. Le carambar. Avoue, ce n'est pas vraiment pour les blagues que tu achètes des carambars, même si parfois, ça peut t'influencer. C'est surtout parce que c'est méga gourmand et sucré, et qu'il en existe à tous les parfums. Les coca et les framboises sont bons, très bons même. Quel est votre goût préféré à vous? Seulement, voilà. Le hic, c'est qu'un carambar équivaut à un abricot en apport de caloriques. 35 calories par barre. 3 spécimens de ces petits coquins. Et voilà 100 calories ingurgitées dans ton petit ventre. Les langues acides. Alors celles-là, elles sont trop bonnes. Mais trop bonnes. Mais le sucre acide là, Et parce qu'elles piquent et son goût acidulé. Et colorée, elle plaise beaucoup. Le hic, c'est que chaque coup de langue vous coûtera 35 calories. Eh oui, ça pique fort fort. Et le dernier, les Chupa Chups. Les Chupa Chups, les reines des sucettes. Elles s'avèrent extrêmement caloriques. À leur décharge, on n'en consomme généralement qu'une seule. 50 calories pour une Chupa Chup. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. De ce petit top 10, et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, en posant votre petit like, en le disant dans les commentaires, en vous abonnant, ce qui me soutiendra et me fera plaisir. Et sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine les gars, tchuss!